bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter le classicisme. Donc le classicisme, c'est un mouvement culturel, esthétique, artistique dans tous les domaines. Donc par exemple, la sculpture, la peinture et l'architecture et même la littérature. Donc le classicisme se développe en France et plus largement entre le XVIIe et XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire de 1160 à 1715. Le mot classicisme vient du mot classicus, donc c'est un mot latin qui signifie la classe la plus fortunée de la société. Donc il s'est répandu grâce à Louis XIV. Donc le classicisme s'oppose au baroque, donc le baroque qui voit l'univers comme étant en perpétuelle transformation, donc qui change tout le temps. Tandis que le classicisme, il le se ressent comme fixé, hypnotisé par l'absolue vérité. Donc il permet aussi de montrer sa grande classe ainsi que sa beauté, donc comme le classicisme a pour but de plaire et d'éduquer. Donc en littérature, le classicisme a été fondé par deux auteurs, donc Gilles Ménage qui a contribué à la fixation des langues, et Nicolas Boileau donc, qui a établi la somme donc, des règles classiques. Donc comme vous pouvez le constater donc, sur ce tableau, c'est Louis XIV donc, en costume de sacre. Donc c'est son portrait. Donc ce tableau il a été réalisé en 1701 donc par le peintre Réacinthe Rigaud. Donc comme on peut le voir donc sur ce tableau, il incarne la puissance. Donc il va lui faire ressortir sa puissance. Il est actuellement exposé au musée du Louvre. Et donc ce tableau a été destiné à son petit-fils Philippe d'Anjou, donc le roi d'Espagne sous le nom de Philippe V.